a Yanal de Jenin, percussion, je ne me rappelle plus le nom de ton instrument là. Là, c'est Bendir. Bendir, voilà. Nawras al-Oud, Mahmoud au violon, Bernard qu'on ne présente plus à la flûte, voilà, et Nagi qui est sans violon mais qui est violoniste. Et ben, tous ces jeunes artistes, on les a connus il y a très très longtemps, puisque c'était la première académie d'été, c'était en 2007. Ça avait lieu près de Naplouse. Et c'était tous des sales garnements de 12-13 ans qui nous empêchaient de dormir la nuit. Voilà, et qui sont devenus des super musiciens qui constituent donc l'ensemble Akamanjati qui est venu pour cette semaine pour participer à ce projet avec la Chambre de Paris à la Fête de l'Humanité. Dès que j'ai su que ce projet existait, je me suis tout de suite porté volontaire. Donc on est parti à quelques-uns, on commençait à être dans le projet comme enseignant, puis pour certains d'entre nous, pratiquer un peu la musique orientale au sein des petits orchestres quand on était là-bas, tout en enseignant notre musique, c'est-à-dire ce qu'on sait faire nous. Donc c'était un bel échange culturel. Nawras Ibrahim, je viens du Jenin, j'ai commencé avec Kimojati en 2007, et j'ai commencé le oud avec eux. Après, je suis allé à Bordeaux pour continuer la contrebasse, parce qu'on n'a pas des contrebassistes en Palestine. Donc il me reste 2 ans encore. Après, je reviens pour travailler avec Kimojati. En fait, on est là pour faire de la musique classique. En même temps, on reste orientaux. Enfin, on est oriental. Du coup, mélanger les deux ensemble, ça fait... Je sais pas, ça donne un truc. Ça donne les études qu'on fait et notre musique. Tout en même temps. Et là, ça sort tout, ça sort le je sais pas comment dire, un truc nouveau. C'est ni ça ni ça, c'est juste un truc qui est ensemble en fait. Je sais pas comment le dire, je sais pas, c'est juste les sentiments qui sortent. C'est trop bien, j'adore parce que moi je comprends les deux parties en fait, ça et ça. Donc moi c'est Enel Stati, et je joue la percussion. J'ai commencé à Kamanjati en 2007. Quand j'ai vu les partitions, déjà j'étais vraiment content pour deux raisons. Déjà, je vais jouer avec mes profs. Ils étaient vraiment comme mes profs en Palestine, quand ils viennent. Aussi avec l'orchestre. En plus, la fête de l'humain. Et aussi les morceaux traditionnels, vraiment, les morceaux, les chansons quand on joue dans les mariages, dans les fêtes populaires. On va faire avec un rangement d'orchestre, c'était super.